Donc c'est pour ça. On va essayer de le voir qu'on a un autre moyen de transport. Allez, viens, pépère, viens. Allez, je viens. Pépère, viens. Ah, c'est par là. Ok. A priori, c'est par là, viens. C'est pas mal. Hein. Attends là, Dalgo. J'ai le dernier colis. Formidable. Merci de les déposer à cet endroit. Eh d'abord, on se casse d'abord. Ah. Allez, zo. Je compte sur toi, mon allez, zo. T'es gentil, c'est bien, t'es cool. T'auras une carotte. Yeah. Ça me paraît plus simple de frapper par là. Espérons que ça soit vraiment plus rapide. Fuck! Bon, bah, en fait, non. De mon éléphant. Il serait jamais dans 55 secondes. Là, ça sera au poil de cuprès comme tout à l'heure. Donc ça, en fait, c'est possible. Putain, au poil de cul près. Voilà tes colis. Sois béni. Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Ah, à 3 secondes près, je l'avais pas. Tout ça c'est bon, j'en suis à combien là du coup? J'ai arrêté de faire les comptes, j'en suis à ravitaillement 6 sur 8. Il m'en manque 2 du coup. On va attendre que ça se termine. Allez, c'est bon, je sais que la quête est réussie là. Voilà. Donc, il me reste. Ça, c'est la reine, il me reste une là. Et la deuxième, elle est où? Elle est où la deuxième? Donc quoi, tu me diras, c'est peut-être 7. 6. Ah mais j'en vois qu'une là. Ça c'est la reine. Là t'en as une là et l'autre. Elle est où la dernière?
Et si vous voyez la dernière, faites-moi signe. De manière, je vais aller à celle-là, on verra bien après. Bah justement, je sais pas encore. Soit du Batman, soit du Until Dawn, soit du The Order, je sais pas du tout. Mais le truc, c'est que ça va être un petit peu chiant et encore une fois répétitif pour les armes. Pour la dernière arme, parce que c'est un système d'arène, un système de vrai qu'il va falloir que j'élimine au fur et à mesure. Merde, ça n'a pas été. Un système de vagues que je vais devoir éliminer au fur et à mesure jusqu'à monter au niveau 10. Parachute au bon moment, ce qui fait que je suis pas mort, mais finalement si. Pendant ce petit chargement, je vous fais profiter de ça, que j'ai pu avoir avec le collector. Collector qui d'ailleurs, je vais vous le montrer pendant que ça charge. Scorpion, donc, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Et qui est donc à côté des autres collecteurs en haut. Et c'est vrai que la pilule a du mal à passer quand je vois... Quand je vois Alien et Jason à 5 euros chacun, c'est. Oh, ouais, je crois que c'est un comique, ouais. Ça doit être un comique, ça. Ouais. Ouais, ça doit être un comics. Je sais pas, c'est pas marqué. Hein. Une BD ou un comics, un truc comme ça. Et ouais, super sympa la statuette. Je l'avais déjà vue chez un pote et c'est vrai que. J'avais trouvé super sympa, même si je suis pas forcément fan de Mortal Kombat. Je l'ai trouvé bien en plus, elle est propre et tout, c'est pas les. Non, c'est pas les figurines Playart de Batman, parce que quand j'ai su que Batman c'était les Playart, la statue, je l'ai pas pris, j'avais envie de la prendre, mais quand on vous dit c'est du Playart, non, ça refroidit direct. Putain, bordel. J'ai passé l'âge de jouer à la poupée, tu vois. C'est quand tu vois le visuel, tu te dis que la statuette de Batman, elle est classe et tout, qu'elle est jolie. Qu'elle est bien foutue et au final, tu la prends et tu te rends compte que c'est du plastique. Ça m'avait déjà fait le coup pour le Metal Gear Rising Revengeance. Et j'avais que très peu goûté la plaisanterie. MJ, est-ce que tu me reçois? Ici MJ. MJ, je suis content de t'entendre. Un de nos camions de ravitaillement a déraillé. Déraillé? Tu veux dire déraper, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Écoute, il nous faut cette cargaison. Je t'envoie les coordonnées. T'avais pris l'édition collector, toi, que tu as vu ça ou t'avais juste vu ça sur internet? Ok, déjà, il y a un archer dans le coin. Il y a un archer. Voilà l'archer, tiens. Je crois que pas lui, ce niveau-là. Ouais, pour la collector, j'ai le premier sac. Plus que deux. Ah, parce qu'il y en a trois, c'est plus ça.
décolle. Oui, vous voyez, la batterie, vous avez l'impression d'aller pas loin du PC et c'est cher. Là, moi, les jeux qui m'intéressent ont l'air vachement intéressants. J'ai regardé les différentes vidéos, gaming live, stream, tout ça. C'est vraiment Mad Max. Mad Max, il a l'air vraiment terrible. Et puis bon, à moindre mesure, même si j'en ai jamais fait aucun, il faut bien ce qui est Metal Gear Solid 5. Et ça c'est pareil, le contenu il a l'air dantesque sur ce jeu. Et le Mad Max, il me branle bien, franchement. Sérieusement, il est où vous avez... T'as entendu le bip? Enfin, il y a un de vous deux qui a entendu le bip. Il y a peut-être un bip. Ouais, c'est surtout qu'en plus, Mad Max, ça mélange du Batman, du Assassin's Creed, du Far Cry. Tous les jeux que je kiffe, en d'autres termes. C'est vrai que j'ai regardé toutes les vidéos de JVC, j'ai pris le temps de lire le test et tout. Ça a vraiment l'air cool. C'est là-bas. J'ai le deuxième sac. Bien, plus qu'un. Mais fais vite. Allez, on va faire de l'original avec ce véhicule-là. C'est bon, je les ai tous. Bien joué. Maintenant, fonce et va les livrer à ses coordonnées. Ben, je verrai plus tard, j'ai des trucs à faire, au pire, je serai là ce soir.